Moi, j'ai un petit truc à dire. Vous voyez votre âge là, et tout leur groupe et tout. Désolé, je t'aime bien et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Mais toi, tu sors de garde à vue. D'après moi, ce qu'on m'a dit, Bulma, elle est venue chez le Kito et elle a tiré les policiers. Après, ils sont retournés chez. Comment ça s'appelle? Chez Despé. Maintenant, ensuite, apparemment, le Kito, elle appelle les meufs de Stein, de Saint-Denis, de je ne sais pas où, toute leur clique de Niaf là, pour aller les sauter chez elle. Maintenant, ça, apparemment, ça a proposé des têtes et tout. Les filles, elles ont refusé. Elles sont des mecs et tout, les filles, elles ont refusé. Maintenant, c'est quoi le délire? Apparemment, la mère à Despé, elle est sortie. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, ouais, tu t'as Bulma, sort. Non, la mère à Despé, elle a dit quoi? Elle a dit, non, il sort pas. Ils ont posé la question à Bulma. Bulma, elle a dit, non, je sors pas. Et apparemment, les meufs de Stein sont grave culottées. Elles ont dit quoi? Elles ont dit, à la mère à Despé, si elle veut pas sortir, on va soulever ta mère. Tout ça, là. Maintenant, la mère à Despé, elle rentre chez elle. Elle appelle les Condé, ils viennent, tout ça. Et à ce qui paraît, les meufs, elles ont poucave. Que comme quoi, chez Despé, Bulma, elle avait une arme, il y avait du shit, il y avait de la beuh, patati patata. En gros, ils ont tout cas, tu vois. Maintenant, ils sont tous partis en jambes, tout ça, nanana. Maintenant, ça passe les auditions, nanana, nanana. Apparemment, par des auditions, le Keto aurait porté plainte contre Bulma. D'après ce qu'elle m'a dit, mais après, moi, je sais pas si c'est vrai, j'étais pas là personnellement. Je ne suis plus du tout dans son genre, dans ce genre de conflit. Maintenant, je me bagarre pour des vraies raisons, je m'en coupe pour des vraies raisons. Voilà. Maintenant, t'as l'autre imbécile de H, elle m'appelle. Elle me dit, ouais, toi tu sais pas, plus mal à péton, nanani, nanana, chanton, chanton. Voilà, personnellement, Bulma, je l'avais prévenu. Je lui dis, si tu continues, étant donné qu'elle a chargé, elle a un casier judiciaire assez chargé. Bon, voilà, je vais pas en dire plus parce que vous avez pas besoin de savoir. Voilà. Maintenant, ce qui concerne Cartel et Bulma, c'est pas à moi d'en parler, personnellement. Parce que c'est pas mon histoire. Les deux se sont embrouillés. Moi, j'ai pas d'embrouillé avec Bulma. ABD n'a pas d'embrouillé avec Bulma. Tout simplement, je m'étais disputé avec Bulma. Je me suis expliqué avec elle. Je me suis réconcilié. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'histoire. Donc, maintenant, arrêtez de nous poser la question. Qu'est-ce qui se passe avec Cartel? Qu'est-ce qui se passe avec Cartel? Parce que je ne vais point ouvrir ma putain de bouche. Ce n'est pas à moi de le faire. Maintenant, vous n'êtes pas content. Soit bloquez-moi, ou soit je sais pas. Faites ce que vous voulez. Je m'en fiche. En attendant, moi, je savoure bien les pattes de ma grande sœur Flo.